Société Mécanande a été créée en 79 par Jean-Pierre Luc, à l'origine pour fabriquer des pièces aéronautiques pour la société Dassault Aviation qui est située à Biarritz. Elle comptait en 2005 une dizaine de salariés lorsque nous l'avons reprise avec mon frère Christophe Luc. Aujourd'hui, nous réalisons des pièces unitaires, nous réalisons de la réparation, nous réalisons des pièces sur plan pour des clients, bureaux d'études principalement. Nous réalisons aussi des pièces en petite et moyenne série pour l'industrie aéronautique. Cette activité représente à peu près une vingtaine de pourcents de notre activité complète. Mais nous avons également intégré une activité de conception avec un bureau d'études. Nous collaborons avec une société qui s'appelle Scindé Conception, qui a été fondée en 2007, dont je suis également le gérant, qui est spécialisée dans la conception et la réalisation de bandes de contrôle pour l'industrie métallurgique. Et également, nous avons adhéré depuis 2 ans à une action collective dans le cadre de l'Aerospace Valley, Aquitaine-Midi-Pyrénées. Donc, cette action collective porte sur la chaîne d'approvisionnement de l'industrie aéronautique, dans l'optique de développer notre activité autour de cette industrie, puisqu'actuellement c'est quand même un marché qui est très porteur et qui est très implanté à la fois dans la région Aquitaine et à la fois en France. Donc effectivement, là tous les jours on innove puisqu'on part d'un besoin qu'un client nous émet. Sur toutes les machines qu'on a créées, 90% sont quasiment des prototypes et des machines uniques. Donc là, on est vraiment dans cette politique d'innovation. Donc on a vraiment une volonté très très affichée et très très forte de se développer autour de la fabrication de machines spéciales pour l'industrie agroalimentaire. Le deuxième axe stratégique, donc, c'est l'usinage de pièces en métaux durs pour les 3 principaux avionneurs que sont Airbus, Boeing et Comac, le chinois qui est un nouvel intervenant. Donc on veut vraiment se positionner sur ces marchés pour continuer et pour tirer les fruits de tout le travail d'organisation et de restructuration qu'on a pu faire ces 2 dernières années.